Note de travail. Le 17 mai 2011. Je ne sais plus comment il faut regarder le public, ni quel regard il faut porter sur le public. Pendant la répétition publique, je regardais le public. Et je me suis surpris à penser, mais c'est qui le public ? Faudrait réfléchir à cette question du public.
Figurez-vous, Don Quichotte a 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissard. Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine bleue, dont la nuance insaisissable s'était transformée en lit de vin et azur céleste. Le visage long et brun, muscles maxillaires énormément développés, signe infaillible auquel on reconnaît le gascon, même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. Trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil peu expert eût pris pour un fils de fermier en voyage, si ce n'était la longue épée qui pendait au flanc de son propriétaire quand il était à pied, et sur le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Y a-t-il un problème ? Je viens de Gascogne, oui, de Tarbes, j'ai fait le chemin jusqu'ici, jusqu'à Paris, pour voir monsieur de Tréville. Y a-t-il un problème ? Je le répète. On n'a pas le droit de porter un chapeau comme ça avec une plume. Un grand show tout le monde et tout ça. C'est parti pour les grenades. Pour les grenades, tout le monde est présent. On vise à gratter le mur, c'est savoir qui est derrière, ok. Non, ça marche pas, oh my god. Oh, c'est comme ça que j'ai découvert que l'amour, c'était pas ce qu'en fait mon mari. Lui dessus, moi dessous, blam, 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 blam. Une machine à broyer les cailloux, mais non. Il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime pas et des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent moins. Comme dans l'amour. Mais c'est surtout cette capacité à s'organiser par rapport à des événements. Après, le sentiment amoureux, c'est un truc beaucoup plus sensible. Et intellectuel. Et même un truc physique. Comme mari et femme. Comme deux bons amis. Tonal Christian. Tonal Christian. Ne parlez pas de moi, elle monte quand je vous parle des mots. Toutes les princesses de l'Europe m'ont envie d'avoir épousé le meilleur chevalier de la crise. J'entre dans sa chambre, il était au lit, blanc comme un linge, maigre, triste. En me voyant, il éclate en sanglots. Moi, j'éclate en sanglots. Sa mère, elle éclate en sanglots. Pas la bouche pleine, la bouche ouverte, tu manges pas. Tu dis pas, mets pas des claques dans la tête des gens, forcément, ça arrive. Ah, vous êtes des bêtes. Ah, ça me brûle.
Ça me brûle, l'utérus d'avoir fait des enfants comme vous. Ça veut dire quoi sur l'humanité, ça? Tu écoutes ta mère? Oui, tu l'écoutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre, c'est demain. Demain, la guerre. J'aime pas forcément la même chose que toi, c'est pas grave, c'est ce qui fait que toi, et on n'est pas pareil. Ça d'ailleurs, je vais t'oublier. Là, tout de suite, maintenant, je vais t'oublier. Je vais y arriver, je vais t'oublier, je vais tous vous oublier. Celui qui s'en va et un pour celui qui reste.